Jean-Paul Caracalla adore les trains de légende auxquels il a consacré divers albums. L'Orient Express, le Transsibérien, le Train Bleu. Mais il est également historien des quartiers de Paris, Montmartre, Saint-Germain-des-Prés et tout récemment Montparnasse en son âge d'or dans un album publié chez De Noël et qui s'ouvre par un hommage au bien oublié Ernest La Jeunesse. Ce caricaturiste et journaliste, fort porté sur l'absinthe, disparaît en 1917 et avec lui s'achève le règne de la rive droite. Car l'avant-garde jusqu'alors appréciait plutôt ce côté-là de la Seine, le Chat Noir à Montmartre, le Café Anglais sur les boulevards ou encore Maxim's rue Royale. Pourtant, dès la fin du 19e siècle, on croisait à la Closerie des Lilas en plein Montparnasse, Chateaubriand et Baudelaire, plus tard Zola et les Goncourt. Dans les années 20, les surréalistes aimaient à s'y rencontrer, mais aussi Léon-Paul Fargue et Giraudoux. Les écrivains et les peintres font leur quatre autres lieux toujours actifs. Henri Matisse réunit ses disciples au Café du Dôme, Cocteau et Picasso se retrouvent à la Rotonde, les Américains Hemingway, Dos Passos, Henri Miller, Faulkner affectionnent le Select. Quant à la coupole, elle résume à elle seule l'esprit des années folles, hantée par Sandrard, par Vlaminck, par Manet, par Fujita. Quelle époque !